Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, bah déjà avec un petit invité. On n'est pas en fit, mais on n'est pas en duo. On se retrouve les amis pour pour voir un petit peu les world records sur la map reverse challenge. Les amis, je vous l'avais dit il y a une semaine quand je l'avais testé avec Michou, je vous l'avais dit que j'avais hâte de voir les world records. J'ai reçu masse messages de gens qui en ont fait, de gens qui en ont vu, etc. Je me suis fait spoil de rien du tout. Je voulais garder la surprise pour la vidéo. Du coup, ça fait une semaine que je reçois des messages. T'as vu mon world record? T'as vu mon world record? Et t'as vu ce world record? Et j'ai toujours pas vu. Donc on va regarder. Je sais qu'il y a des gros noms qui sont revenus. Pour les plus anciens qui regardent les Deathrun depuis longtemps, le petit Cinaro, les amis, le petit Cinaro qui faisait des world records et des Deathrun de Michou avec Doc, etc. à l'époque, il a refait surface. Il est là, les amis, il est dans la liste, puisqu'on va regarder 3-4 vidéos. Bah, ça fait plaisir en fait, hein, de revoir des têtes comme ça. Ce qui me fait penser à, est-ce que les prochains Deathrun, je mettrais pas peut-être un petit cash prize, même un petit 50 balles, tu vois, un petit 50 balles pour pimenter le truc, etc. Je vois que les gens ils jouent le jeu et tout. Du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le Reverse Challenge, c'est quoi? C'est simplement un Death Run que j'avais proposé la semaine dernière, que j'avais fait avec Michou, qu'on avait réussi en 25 minutes, mon ami. Mais bon, en mode fun. Hein. Et du coup, bah là, les records, je peux vous le dire, hein, les gars, les records, c'est 1 minute 13, 1 minute 14. J'ai même un 1 minute 03. J'ai un 1 minute 03, les gars. Mais il y a masse dislike. J'ai préféré pas le regarder. On verra. Du coup, on va se lancer. Les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. C'est parti. Et surtout, le code créateur Valouz. Les gars, si vous voulez voir des cash prizes de plus en plus gros pendant des reines, code créateur Valouz. Code créateur Valouz. Je bouge pas tant qu'il n'y a pas. Vous avez pas mis code créateur Valouz. Oh, c'est long en fait. C'est parti. Code créateur Valouz, les gars. Je sens que c'est la première fois qu'il apparaît dans une de mes vidéos Fortnite. Lui, il a l'habitude quand je fais des vidéos dégustation, il croit que il y a pas de burger là en fait. Hein. Il y a pas de burger, frère. Je suis plié. C'est vraiment la mascotte. Hein. Première vidéo, les amis, de Diabolo 13, qui était là sur le néon Deathrun. Il y a 2 semaines, il avait fait le world record. Donc Diabolo 13, world record, reverse challenge. J'ai eu le mauvais spawn, donc j'ai perdu une seconde. Il a fait 1:14. C'est vrai qu'il y a différents spawns. Il faudrait que je pense à mettre un spawn en principal tout devant pour les ceux qui font les world records. Mais on comptabilisera peut-être moins une seconde si c'est totalement justifié. Allez, c'est parti. Ok, oh. Alors. C'est vrai qu'il y a eu débat. Il y a 2 écoles. En fait, en gros, j'accepte 2 types de run. Le run parfait où tu fais tout à l'envers, mais tout le Death Run. Il me semble que Cinaro en a fait un full à l'envers. Mais du coup, tu perds du temps, du coup, tu peux pas faire le réel World Record. Mais quand on verra la vidéo, on choisira nous-mêmes ce qui nous a fait le plus chavirer. Ou sinon, il y a le run, quand tu arrives sur le checkpoint, tu peux courir, mais dès que t'entames l'étape, tu te mets à l'envers. Et là, à mon avis, bah là, c'est un run où il entame uniquement quand il est sur les épreuves. Ça reste beau, hein. Et en vrai, c'est vrai que j'avais pas... Oh. J'avais pas expliqué, du coup, il y a 2 écoles. C'est à vous de choisir dans les commentaires, encore une fois, les gars. Parce que c'est sûr, quand t'es à l'endroit, tu gagnes du temps. Ce cut-là, je l'avais vu dès le premier jour. Tu vois, là, par exemple... Ah, pour moi, c'est moitié-moitié, là, hein. Il a... Ouais... Il a fait un 3-6 sur le premier piège. Regardez, ils se tournent. En fait, ils sont peut-être un petit peu trop vite. Ça reste très très joli à regarder. C'est même peut-être plus visuel, mais regardez, encore une fois, il s'est retourné un petit peu trop vite. Ah putain, il a fait le glitch des répulses. Là, j'y avais pensé, hein. Ah, c'est joli, hein. Ah, c'est joli quand même, hein, mais... Ah... Pour moi, c'est pas entièrement dans les règles, là. Pour être honnête. Ça n'empêche pas que le run est insane. Hein. Là, ce qu'il est en train de nous faire, c'est vraiment insane. Il a fini. Voilà. Bisous. 1:14.641 avec un mauvais spawn. Ah, je suis mitigé. Franchement, je suis mitigé parce que le run est méga beau. Ça demande de l'entraînement. La map, il la connaît par cœur pour avoir fait ça. Mais... Il y a un petit peu d'abus de... En fait, il s'est retourné avant même d'être à la prochaine étape de temps en temps et tout. Et c'est borderline. Je vous laisse décider dans les commentaires. Vous mettez Diabolo mérite. Dans tous les cas, il le mérite, hein, son score. Mais Diabolo a son score validé ou Diabolo n'a pas son score validé. Vous mettez ça. Ça dépend de votre vision de jeu, ce que vous préférez voir. Le deuxième, les amis, c'est celui que j'attendais le plus. Parce que voilà, c'est l'ami Cinaro, les amis. L'ami Cinaro. Il y a 92 000 abos, hein, et bientôt les 100 000. Hein. Go vos abos, les gars. Les 100 000, là. Une 13 World Record sur le Death Run Valouz. Et il a fait, la vidéo dure 3 minutes 25, donc on va se regarder tranquille. Parce qu'apparemment, en fait, en gros, il a combiné 2 runs. Donc un run, là, vous le voyez, premier run avec les cuts. Donc un run avec les cuts et un run personnel.
perfect. Perfect, perfect, sans cut. De ce qu'il m'a dit. Encore une fois, j'ai pas vu la vidéo, donc là, ça va être full surprise. On va peut-être découvrir des trucs, c'est parti. Donc, les cuts, à mon avis, c'est sûrement. La répulse déjà. Le cut de la répulse, il est vraiment insane. Ok, donc là, il le fait pareil, hein, à l'endroit. Et dès qu'un tam. Ouais, tu vois, genre là, il s'est retourné un peu trop vite, tu vois, encore à mon goût. Pour le moment, on a l'impression que c'est le même run que Diabolo. Hein. Ouais, tu vois, genre là. En fait, ouais, mais c'est délicat. J'ai mal. C'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Regardez, là, il saute à l'endroit. C'est de ma faute parce que je l'ai mal expliqué. Et parce qu'en fait, je vous sous-estime les pros Death Run, là. Je vous sous-estime, en fait. Je suis en mode. Je sais pas. Je vous pense à chaque fois moins fort. Et en fait, vous êtes trop fort. Le glitch de la répulse. Ça bug un peu. J'ai baissé un peu le son. Ok. Ah, il y a 300 de ping. Il y a 380 de ping et il te fait ça? Eh, frère, eh. Sinaro, c'est le temps de déménager, en fait, et d'avoir la fibre, hein, frère. Parce qu'avec la fibre, franchement, en gros, tu vas juste être insane. Hein. Ok. Premier run, c'est quasi en vrai, c'est. Hé les gars, qu'est-ce qui est écrit là? Attendez, qu'est-ce qui est écrit là? Attends, qu'est-ce qui était écrit? Code créateur va lose, les gars. Mais code créateur va lose, les gars. Bah, est-ce que ça serait pas le moment de le mettre dans la boutique? Mais une 13-500, il a une seconde d'avance, donc c'est la seconde de Diabolo. Au niveau du spawn, il a spawn où lui? Exactement? Ouais, il a spawn vraiment en face. Diabolo, il était au fond de la salle. Ok. Bah pour moi, ce run là, c'est exactement le même tarif que Diabolo, les gars. Si vous n'avez pas validé ce Diabolo, du coup, celui-là n'est pas validé. C'est à vous de voir. On va regarder la suite pour voir son perfect full à l'envers. Alors, c'est celui-là. C'est celui-là, les amis, que j'attendais. C'est parti. Donc, il commence à l'envers dès maintenant. Oh là là. C'est pour ça que j'ai fait. C'est moi, pour moi, dans ma tête, c'était ça à la base. Alors là, je sais pas du tout c'est quoi le temps optimal. Je sais pas du tout. Mais là, ça demande vraiment de le connaître. Oh, c'est intéressant. Hein. Ah, forcément, ça va pas être une minute 13. Hein. Avec la petite musique épique, je suis mort. T'as l'impression, genre, c'est l'exploit. Il y a 1000 euros à la clé, pas du tout. Si on atteint les 50 000 soutiens, peut-être qu'il y aura 1000 euros. Ah, c'est propre, hein, c'est propre. Franchement, c'est propre. Ce qui est marrant, c'est que ça paraît simple parce que c'est tout lent, tu vois. Mais non, non, c'est pas simple. Surtout cette épreuve-là, elle est vraiment pas simple. Ah, c'est beau, c'est joli. Zéro cut, c'est fluide, c'est propre, il connaît par cœur. Regardez, il voit rien. Il voit rien et pourtant, il est là. La Shadow, là, faut pas la louper, celle-là. Oh là là. Là, franchement... Il s'est pas retourné une seule fois, les gars. Il s'est pas retourné une seule fois. Là, il mérite la musique. Oh. Oh, même là, le final. Il le fait à l'envers. Combien? Une 32-816. Pourquoi il y a 10 secondes de différence? Ah, parce qu'il a mis 10 secondes à lancer le chrono. Ok. Il a fait une 32-816 full à l'envers contre un une 13 quand tu triches un petit peu. Donc n'empêche que se mettre à l'endroit, ça. Et faire des cuts surtout parce que c'est vrai que le cut de la répulsif il te fait gagner une masse temps. Mais ça fait gagner quand même des secondes. Hein. 20 secondes gros. Pour moi, vraiment, tous les runs on le mérite. Encore plus Sinaro puisqu'il a fait les deux. Ouais, franchement, le boss, hein, clairement le boss. Lui, il s'est dit, on verra. Si ça passe pas, c'est pas grave, j'en fais un autre. C'est pas grave. Les doigts dans le nez. Il est vraiment trop chaud. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop chaud. Là, il n'y a pas de question. C'est 100% validé. Et c'est le seul que j'ai vu comme ça. C'est beau, franchement. Là, on a vu deux écoles. C'est très, très, très beau. Gros GG Sinaro, les gars. Franchement. Respect. Et du coup, bah la vidéo là qui fait tant parler. Parce qu'il y a 5 likes et 18 dislikes, je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. Il y a pas de musique épique cette fois-ci. Hein. Ok. What the fuck. Ouais, il y a de la magouille parce que les gars, c'est pas super fluide. Hein. On est passé à des runs perfects où c'était vraiment de la perfection absolue. Et là. Ah ok. Ok.
Ah putain le malin. Il a voulu faire du référencement les gars. Il a voulu faire du référencement. Parce que c'est pas du tout un Warlocker, mais en gros il a usé d'un glitch. Ah ça c'est de ma faute encore une fois. Je sais d'où ça provient ce bug. Je l'avais le même sur le Néon Deathrun. En fait en gros, simplement, à la fin du Deathrun quand tu prends une pièce, en fait en gros il faut mettre un score. Cette pièce équivaut à 1, tu vois. Et en fait en gros la partie s'arrête quand t'as 1 de score. Du coup quand tu prends la pièce direct, le jeu s'arrête, blam. Et en fait le truc c'est que quand tu fais la technique de la pièce à la fin de ton tracé, si tu mets un overboard ou un quad ou etc. qui peut faire des points de figure, et bah du coup c'est compté comme un score. Du coup bah si tu mets un point de figure, ça termine la partie. Et du coup il faut mettre x0 dans les paramètres, voilà, pour les mappers, petite astuce que j'ai oublié clairement. Ok d'accord, je comprends. Le world record en fait. Le world record en fait. G4V1. Aïe aïe aïe. Bah c'était pour le petit côté fun en tout cas les amis. Waouh. Que dire à part waouh. Franchement c'était lourd. Je kiffe regarder les world record les gars. Vous êtes chaud. Cette partie de la communauté où vous êtes des tryharders de l'infini, je vous kiffe les gars. Changez pas. Continuez à tout donner, à faire rêver avec des timers de fou sur tout type de deathrun, de tout type de youtubeur. Les gars franchement vous envoyez du rêve. Et moi j'ai hâte, j'ai vraiment hâte qu'il y a le mode spectateur en direct sur le créatif pour faire des compétitions de deathrun en direct. Fortnite, si vous voyez les gars, mettez un mode spectateur dans le mode créatif. Mettez, on va faire un truc de ouf. On va faire un truc de ouf. On pourra faire des compétitions sur scène, faire des trucs de ouf avec mettre la pression absolue aux deathrunners, les mettre dans des conditions vraiment stressantes avec des gains à la clé pour qu'ils jouent leur vie avec des maps de folie. Oh là 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 là, on pourra spectate en direct, tout ça fera. Waouh, il a passé cette étape. Vous savez ce que c'est de passer une étape en restant bloqué une heure dessus. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça en direct les gars. Et Fortnite s'il vous plaît, le mode spectateur en créatif. Enfin bref, gros GG à vous en tout cas les gars. Comme d'habitude les amis, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ces petits pairs là, les potes, si ça vous intéresse de voir un petit peu des beaux runs. Je le répète, je l'ai dit beaucoup de fois dans cette vidéo mais c'est important. Code créateur Valo si vous voulez voir les projets monter. Voilà, j'ai envie de faire de plus en plus de projets via le créatif. N'hésitez pas à m'exploser cette barre de soutien dans la boutique de Fortnite les potes. Et puis voilà, je vous fais des bisous, merci pour tout. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Et ciao les dipotes. Et comme d'habitude, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, les gars.